Cherchez tilapia baleine, bois calé. Cherchez bout de baleine, tête rachée. Cherchez Jeff Nkanara baleine, deux pieds coupés, tête rachée, bois calé. Cherchez vite l'homme innocent, l'homme sans jour, 400 maozo, zéro maozo. Et puis, tout l'autre monsieur Améyo. C'était ça. Tout haïtien t'a attendu dans mes commandes de Philippe. Mais pas oublier, je situation présentée là. Ou la ouel, ou elle met telle formule qu'on est directement capable de résoudre. Mais, l'eau à terre, dans la réalité, ou qu'a peut-être joué une autre stratégie pour venir avec une formule pour résoudre le problème. Nan. Guy Philippe privé à terre, Guy Philippe dit la seule solution, c'est mettre BESAP, l'armée d'Haïti, la police nationale d'Haïti, pour résoudre le problème insécurité. Elle dit tout d'abord, avec un gouvernement, que le peuple a fait confiance. Il dit gouvernement ça lui-même. Ça l'a poné. L'a vine avec une stratégie d'amnistie. OK? Yo prêt pour bay amnistie avec conseil de moun. Il suffit que ou témoigner ou admettre qu'on t'a fait ça et n'a résoudre li. Yo fait dans plusieurs pays dans monde là. Entente États-Unis ont le ça. Ou plein de coupables, yo fait yon réduction sous peine, et puis ou collaborer, ou dit tel bagay. En Haïti, et pas qu'on parle de nèg la ou les fruits, non? Mais quelque part, il suffit que nèg la admette que ça, c'est lui qui te fait, et c'est lui qui continue à faire, lui décide de camper, et nous décide de faire collaboration. Nous jouons entente. Parce que nous, tous coupables, gon parti qui est coupable. Parce que moun n'a pas de pression à couper l'état du militant, yo sou ki passe à Saint-Sou. Yo fait payer mal. Parce que c'est yo boulet, c'est yo crasé. Oligarque corrompu a voué l'argent par politiciens. Politiciens prennent la langue de ton samavel, peuple a fout boulet. Ça veut dire que y a trois catégories moun pour nous éradiquer ou du moins faire tout ça que nous capable pour nous stopper l'action dans votre presse. La classe politique traditionnelle haïtienne, une classe d'assassins. Oligarque corrompu, une équipe sans conscience criminelle. Et puis, Zago Loray qui a sa patte dans le quartier populaire là. Nous prenons le temps de. Pardon. Nous prenons le temps de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Monsieur parle. Monsieur dit le vle dialogue. Nous prenons le temps de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. N'a pas tourné pour commentaire. Barbecue, Jimmy Cherizier. Nous voulons dialogue parce que nous voulons la paix. Ça qui parle de dialogue, c'est toujours chita sous la guerre. Ça qui parle de dialogue, c'est toujours à faire la guerre. Ça qui parle de dialogue, démarrer la guerre dans le pays d'Haïti depuis 17 octobre 1806. Les assassinés par Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines. Depuis les ça, la guerre économique, la guerre politique, la guerre sociale démarre depuis 1806 pour arriver 2024. Ça fait 218 ans. Depuis ça, Pi Febio a mis en bas la guerre. Mafia économique, yo. Mafia politique, yo. Mafia sociale. Yo. Tant coup, mafia dans l'église, mafia dans la presse, organisation de l'amour, dans l'association, dans la classe moyenne. Et même quartier qui pi povio pas épanier. Depuis plus que 30 l'année, pouvoir la guerre du Valais a pas existé encore. Pourtant, la guerre vinga et pi red nan mitan toute population, nan mitan toute population haïtienne. Mafia nan tête pays a, mafia secteur économique ak mafia secteur politique kap promet démocratie nan place dictature. Pas si ce monde mette toute stratégie en place pour renforcer la guerre dans le temps tout haïtien. Depuis au moins 10 ans, conséquence la guerre envahit clairement trip moun ki pi mal yo. Si tout si la qui a abandonné dans le quartier populaire yo. Misère, grand goût, humiliation, discrimination, job sécurité go chef, job sekay dans la police. Ak job abolotcho politique
c'est ça yo quitté pour jeune femme ak jeune garçon dans ghetto yo. C'est tout bagay ça yo qui pote gros souffrance qui pral vinn ouvrir yeux petit ancien esclave yo dans tout pays ya. Et qui pral faire yo décider depuis quelques années suivre trace histoire kako yo piquer yo et puis révolter ak pran zam dans tout pays ya. Surtout dans l'ouest là. Nous te vinn décider utiliser même zam yo te mette nan men nou yo sans nous pas oublier zam yo vann nou yo tout mafia yo saisi ak étonné ouais jan nou getan organisé nous c'est quoi mafia yo ak terrain et ça pral faire yo ba nou toute qualité non poté tant kou gang ak chef gang. C'est vrai nous reconnaît plusieurs erreurs faites dans bataille nous mais nous pas prendre anana pour sizan. Nous pas quitter au fait personne quoi. Que conséquences erreur dans bataille nous pèse lourd parce que conséquences la guerre mafia économique yo, mafia politique yo ak mafia sociale yo déclenché dans pays a depuis 17 octobre 1806. Jusqu'à jodia, yo pensé yo kalage sous dos révolté yo 18 218 ans. Tant yo fait ak population an. C'est tout avec nous-mêmes dans la classe défavorisée. Et c'est ça qui mène nous côté nous aujourd'hui. Dans une interview avec RFI, le Premier ministre Gary Kony reconnaît ça tout. Et n'a pas cité ça, le dit, et te répond journaliste là. Ce n'est pas seul problème gang qui occupe la majorité du territoire dans la République là. C'est tout, plus de 4,5 millions de personnes qui n'ont pas à manger. C'est tout gros problème développement. C'est tout gros problème institution nou yo. C'est tout gros problème absence instrument gouvernement ta ka utiliser pour faire développement. C'est tout mode accompagnement communauté internationale là qui suppose changer ou améliorer. Haïti a vécu une situation compliquée en pile. Qui donc selon Premier ministre Gary Kony, c'est pas seulement victime mafia yo. Ça y aurait les gangs armés ak chef gang yo qui problème nan. Est-ce que tout l'autre problème li cité yo n'a continué fermer yeux nous sou yo n'a continué ak hypocrisie ya nan di c'est vivre ensemble ak Jimmy Cherizier barbecue qui problème lan. Jodi a on focus plutôt sur solution vraie solution qui c'est dialogue national côté chaque haïtien sans discrimination gen droit à la parole. Et c'est ça mafia yo pa vle ya. Yo pa vle dialogue parce que yo vle continuer ak la guerre. Yo pa vle dialogue parce que yo pa vle la paix. Nous vle dialogue parce que nous vle combattre la guerre. Nous vle dialogue parce que nous vle la paix. La fini pour nous dire que nous constater et réaliser que pi gros force dans crise pays d'Haïti ya, c'est communauté internationale là. Qui semblait décider li vle suspendre faire alliance avec mafia yo et qui malheureusement pas qu'on vle faire confiance à haïtien en dans pays d'Haïti. C'est tellement vrai que communauté internationale là a cherché dans diaspora non haïtien qui était manqué prend père les brins dans année 1986 dans faculté médecine l'état qui sorti humilié comme premier ministre en 2011 et qui semblait pas de jambe ni nan bayzam ak ni nan vanzam. Alors pour qui ça moun sa ki se docteur PM Gary Kony pa ta profiter fait dialogue national là pour craser la guerre et créer la paix dans tout pays ya. C'est seul yon dialogue national qui permet tout bon vrai que l'état haïtien reprenne contrôle tout territoire pays ya a gen contrôle yon jan constitution qui l'a amendé ça. En attendant, docteur PM Gary Kony, ouais clair, à comprendre clair, dialogue national là. C'est seul moyen pour mafia yo pas boueli, ak menen li nan même chemin ak l'autre autorité passé yo. Tankou ancien premier ministre Ariel Henry. Nous décider annoncer publiquement que stratégie pour faire toute zam bébé, déposer zam, faciliter dialogue national là, craser la guerre mafia yo. À encourager la paix, déjà inscrit noir sur blanc dans l'agenda nous.
et comme semblait manquer confiance jusqu'à aujourd'hui nan haïtien k'ap viv Haïti yo à cause trop division chi répit chien manger chien. Et c'est ça qui fait la communauté internationale là qu'elle cherche docteur Gary Conille pour mettre dans tête pays d'Haïti comme chef primatia. Nous prêts déjà pour nous choisir un citoyen haïtien crédible et conséquent dans la diaspora pour faciliter le dialogue là, craser tête la guerre mafia yo et faciliter chemin la paix ya dans le pays d'Haïti. Nous voulons dialogue parce que nous voulons craser la guerre. Nous voulons dialogue parce que nous voulons la paix. Port-au-Prince, 5 juillet 2024, Jimmy Cherizier Barbecue, président et porte-parole Vivre Ensemble. Voilà. Pardon. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, président et porte-parole, organisation criminelle Vivre Ensemble. Si nous permettons de dire comme ça. Barbecue dit, yo vle la paix. Yo pa vle la guerre encore. Yo vle dialogue. Pour yo ka jwenn la paix. Il dit gen moun ki pa vle dialogue, ki vle la guerre. Maintenant, ça que m'bral fait effort pour que me fait une émission ça. M'bral fait effort pour que moi-même me permette nous exprimer nous. Pour nous dire qui ça que nous pensons de l'intervention du Michel Rizier, alias Barbecue, ou du moins appel au dialogue. Là. Et nous avons fait une analyse tout sur l'intervention du Michel Rizier. Même envie et quitter nous, nous-mêmes personnellement. Exprimer nous tout d'abord, dire qui ça que nous sentis, qui ça que nous pensons. De intervention Jimmy Cherizier Barbecue. Est-ce que nous appel au dialogue là bon? Ou du moins, est-ce que logique pour nous pas rentrer là dans le négocier avec gang nan, qui est-ce qui est bon en deux? Bataille avec gang yo ou bien dialoguer avec gang yo? Dis-nous, ou même spécialement, qui c'est famille, zami plateforme YouTube et Fobeto, dis-nous effectivement qui sont ta souhaité. Est-ce que l'IPI bon pour nous ta rentrer dans logique dialogue avec M. Ameyo ou du moins pour que nous ta et batte avec l'hôpital? Qui est-ce qui est bon en deux? Avec Jimmy Cherizier, fait une sortie. Et ouais, ce n'est pas une sortie qui est innocent. Et ce n'est pas un imbécile tout qui fait sortir. Nous comprenons ce qui fait là. Et nous comprenons la réalité. Nous sommes sortis. Et nous avons des choses. Nous avons peut-être un peu capable de dire, j'aime dire, pour nous-mêmes spécialement, capable de faire sortir des panneaux plutôt à travers les commentaires là. Mais ça que m'a dit honnêtement, tout ça qu'a fait, tu l'as fini par un seul bagaille. Même formule que commandant Guy Philippe te dit, c'est ça seulement qui kaba ou la paix durable en dedans pays d'Haïti. La paix pour tout le monde. Comme gen yon minorité qui toujours voulait la guerre, yon c'est des PDG. Ça nous le chaos, instabilité, insécurité. Parce que c'est la seule entreprise qui a gagné. C'est là où fait l'argent sans contrôle. Il y a les économies criminelles, l'argent qui a brassé là-dedans. C'est l'argent sans contrôle. L'argent qui n'a jamais justifié. C'est le monde qui a détruit, kidnappé les gens, broté de l'américain, cassé les gens, volé les gens, tué les gens, piraté les gens. C'est ça qui a brassé dans l'économie criminelle là. C'est une association malfaiteur qui prend Haïti en otage. Il y a les mafias. Mafia tellement easy, nous avons trouvé ce bagage qui est normal pour yon mafia. Mais nous-mêmes, nous avons dit, en tant que moun en dehors dans le langage pas nous, son équipe volant qui utilise une stratégie gang actionnaire pour yon prendre tout en otage. Docteur Gary Conille parle de
environ 12 000 moun qui prend 12 millions en otage. Oui, peut-être. Li ka peut-être plus que 12 000 même. Mais ma petite docteur Gargoni, ou un groupe moun qui paye pris prend Haïti en otage yo, yo pas plus qu'on 15 moun. On 15 moun. Li gen Gilbert Bidjo là-dedans. Li gen Regina Boulos là-dedans. Li gen les Vob là-dedans. Li gen les Bossan là-dedans. Li gen les Akra là-dedans. Li gen les Meuse là-dedans. Li gen les Kols là-dedans. Li gen les Andal là-dedans. Ou moun sa yo? C'est logique, faire l'argent seulement yo konnen dans la vie en Haïti. Il pas besoin rien dans pays encore. Faire l'argent. Ti moun parle, qui se va à l'école, ti moun pa intéressé yo. Génération imbécile qui a monté dans pays, ça pa intéressé yo. Faut toujours gen imbécile là. Qui pour venir prendre 1000 coups de main pour bouler caoutchouc pour yo pour capable jeune ça pour jeune dans l'état pour faire l'argent. Est-ce que barbecue puis criminel qui nèg ça yo? Jamais jamais. Yo toutes ces assassins mais qui criminel parce que criminel. Yo nèg cap détruire plusieurs générations, li pa criminel connaît qu'al vol on bagarre au monde et puis son derrière tout li ko rentrer la cali. Non. Yo nèg qui prend tout ça l'état possède comme si m'a dit qui est capable subventionner yo année scolaire pour ti moun nou yo. On a qui détourne l'argent ou puis criminel que ti volo sa kalka se ka ou moun ou puis méchant parce qu'on attaque avni yon jeunesse qui c'est avni pays. Et c'est ça, yon pas jamais vle aïe se parler pour yon peuple la kale pour n'capab comprendre qualité mal que politicien, oligarque corrompu, assassin sa ou fait pays. C'est ça, yon pas vle ou parler parce que de pou parler ou pas yon problème. Jimmy Cherizier, again and again, entendez, parce que intervention monsieur ya. En pile moun balé de li, en pile moun voye pour moi, me dit faut me basel. Et faut ndadel pour nous comprendre bien. Barbecue. Nous voulons dialogue parce que nous voulons la paix. Ça qui parle de dialogue yo, t'es toujours chita sous la guerre. Ça qui parle de dialogue yo, t'es toujours à faire la guerre. Ça qui parle de dialogue yo, démarrer la guerre dans pays d'Haïti depuis 17 octobre 1806. Les assassinés Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines. Depuis les ça, la guerre économique, la guerre politique, la guerre sociale démarrée depuis 1806 pour arriver 2024. Ça fait 218 ans. Depuis ça, Pi Febio a gémi en bas la guerre, mafia économique, yo, mafia politique, yo, mafia sociale. Yo. Tant coup, mafia dans l'église, mafia dans la presse, organisation droit moun, dans association yo, dans classe moyenne et même quartier qui pi povyo pa épanier. Depuis plus que 30 années, pouvoir la guerre du Valais a pas existé encore. Pourtant, la guerre vinga et pi red dans mitan toute population, dans mitan toute population haïtienne. Mafia dans tête pays a mafia secteur économique et mafia secteur politique qui promettent démocratie dans place dictature pas suspend mettre toute stratégie en place pour renforcer la guerre dans mitan tout haïtien depuis au moins 10 ans conséquence la guerre a envahi clairement trip moun ki pi mal yo surtout si la qui a abandonné dans quartier populaire yo misère grand goût, humiliation, discrimination, job sécurité gros chef, job sekay dans la police, ak job abolocho politique, c'est ça yo quitté pour jeune femme ak jeune garçon dans ghetto yo. C'est tout bagay ça yo qui pote gros souffrance, qui pral vin l'ouvrier petit ancien esclave yo dans tout pays ya. Et qui pral faire yo décider depuis quelques années suivre trace histoire kako yo. Piqué yo et puis révolté ak pran zam dans tout pays ya surtout dans l'ouest là nous té vinn décider utiliser même zam yo té metté dans men nou yo sans nous pas oublier zam yo vann nou yo tout mafia yo saisi ak étonné ouais jan nou getan organisé nous nous sékwe mafia yo ak terrain et ça pa fè yo ba nou toute qualité non poté. Tant que gang ak chef gang. C'est vrai, nous reconnaissons plusieurs erreurs faites dans la bataille nous. Mais nous ne pouvons pas prendre ananas pour Cizanne. Nous ne pouvons pas quitter ou faire personne quoi.
que conséquences errent dans bataille nous en pèse lourd par ces conséquences la guerre mafia économique yo mafia politique yo ak mafia social yo déclenché dans pays a depuis 17 octobre 1806 jusqu'à jodia yo pensé yo ka la guerre sous dos révolté yo 218 ans tort yo fait ak population an. C'est tout ak nous mêmes dans classe défavorisée a et c'est ça qui mène nous côté nous yé jodi a. Dans une interview à RFI, premier ministre Garry Conille reconnaît ça tout et n'a cité ça le dit et te répond journaliste là. C'est pas seul problème gang qui occupe majorité territoire dans république là. C'est tout plus passé 4.5 millions moun qui pas ka manger. C'est tout gros problème développement. C'est tout gros problème institution nou yo. C'est tout gros problème absence instrument gouvernement ta ka utilisé pour faire développement. C'est tout mode accompagnement communauté internationale là qui supposé changer ou améliorer. Haïti a vécu une situation compliquée en pile. Qui donc selon premier ministre Garry Conille, c'est pas seulement victime mafia yo. Ça y aurait les gangs armés avec chef gang yo qui problème nan. Est-ce que tout l'autre problème li cité yo? N'a continuer fermer yeux nous sou yo. N'a continuer ak hypocrisie a. Nan di c'est vivre ensemble avec Jimmy Cherizier barbecue qui problème nan. Jodi a on focus plutôt sur solution, vraie solution qui c'est dialogue national. Dialogue national. Côté chaque haïtien sans discrimination. Gen droit à la parole et c'est ça mafia yo pa vle ya yo pa vle dialogue parce que yo vle continuer avec la guerre yo pa vle dialogue parce que yo pa vle la paix nous vle dialogue parce que nous vle combattre la guerre nous vle dialogue parce que nous vle la paix la fini pour nous dire que nous constater et réaliser que pi gros force dans crise pays d'Haïti a ces communautés internationales là qui semblaient décider li vle suspend faire alliance avec mafia yo et qui malheureusement pas qu'on vle faire confiance à haïtien en dans pays d'Haïti. Voilà barbecue est vraiment voué fleur pour communauté internationale là et m'a fait il faut pour que me pas faire des commentaires mais sauf que me d'aimer pour que nous vraiment et dis ça qu'une pensée de intervention Jimmy Cherizier barbecue qui c'est président et porte-parole vive ensemble en avancé et Jimmy Cherizier c'est tellement vrai que communauté internationale là a cherché dans diaspora non haïtien qui était manqué prendre père les brins dans année 1986 dans faculté médecine l'état qui sorti humilié comme premier ministre en 2011 et qui semblait pas de jambes ni dans baizam ni dans vanzam. Alors, pour qui ça? Moun sa qui c'est docteur PM Garry Conille, pas ta profite fait dialogue national là pour craser la guerre et créer la paix dans tout pays là. C'est seul yon dialogue national qui permet tout bon vrai que l'État haïtien reprenne contrôle tout territoire pays là, a gain contrôle yon Jean Constitution qui l'a amendé ça. En attendant, docteur PM Garry Conille, ouais clair. À comprendre clair dialogue national là c'est seul moyen pour mafia yo pa boueli ak menen li nan même chemin ak l'autre autorité passé yo tant pour ancien premier ministre Ariel Henry nous décider annoncer publiquement des stratégies pour faire toutes zam bébé déposer zam faciliter dialogue national là craser la guerre mafia yo ak encourager la paix déjà inscrit noir sur blanc dans agenda nous. Ça veut dire et monsieur yo à l'unanimité ou vle la paix. Mes amis nous vle la paix et puis nous débarquer grisser nous touye 25 malheureux malheureuses. Nous touye 25 moun. Nous prend matériel nous coller dans nous son commissariat l'état, nous fout craser li. Mais attendez bien. Comme si nous pas penser moun prend moun comme si là nous touye moun yo même. Yo pas important pour famille yo. Moi grand pile bagaille manqué comprendre bon comment faire effort tout pour pas faire les commentaires parce que me ca dit trop parce que ben là trop grave monsieur nous voulons la paix bon peut-être non m'a suivre et
comme semblait manquer confiance jusqu'à aujourd'hui, dans Haïtiens qui vivent Haïti à cause de trop division, chirépit, chien manger chien. Et c'est ça qui fait la communauté internationale là, qu'elle cherche Dr. Gary Conille pour mettre en tête pays d'Haïti comme chef primatial. Nous prêts déjà pour nous choisir un citoyen haïtien crédible et conséquent dans la diaspora pour faciliter le dialogue là, craser tête la guerre mafia yo et faciliter le chemin la paix ya dans le pays d'Haïti. Nous voulons dialogue parce que nous voulons craser la guerre. Nous voulons dialogue parce que nous voulons la paix. Port-au-Prince, 5 juillet 2024, Jimmy Cherizier Barbecue, président et porte-parole Vivre Ensemble. Voilà, justement, c'était Jimmy Cherizier alias Barbecue qui t'a parlé dans le nom et monsieur Vivre Ensemble.